Grâce au succès de leurs récentes aventures au cinéma, la folie Marvel atteint actuellement des sommets historiques. Mais qu'en est-il des jeux vidéo? Peter, my man, you see all that? Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on met nos capes et nos costumes beaucoup trop serrés pour faire le décompte du top 10 des jeux vidéo Marvel. Numéro 10. X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse. S'appuyant sur le solide gameplay action RPG du premier opus, X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse possède tous les atouts de l'original et plus encore. Le scénario renverse la guerre habituelle entre les X-Men et la confrérie des mutants. En effet, les deux groupes forment une alliance dans le but de battre le super méchant Apocalypse. It appears we both have a grievance with Apocalypse. Avec l'apparition de nombreux personnages du comics et son gameplay addictif, X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse est une excellente entrée dans la saga X-Men. Numéro 9, X-Men Mutant Apocalypse. Tout comme la série télé animée X-Men, le jeu sur Super Nintendo X-Men Mutant Apocalypse était considéré dans les années 90 comme un classique par de nombreux jeunes fans de Marvel. Le jeu possède des graphismes de qualité, un gameplay stimulant et de l'action à couper le souffle. L'une de ses caractéristiques les plus mémorables est la possibilité de choisir entre 5 personnages: Wolverine, Cyclops, Psylocke, Gambit et Beast. Avec Capcom aux commandes, l'influence du très populaire Street Fighter est clairement présente, ce qui rend le jeu bien plus complexe que la plupart des beat'em up traditionnels. Numéro 8, X-Men Origins Wolverine. Trois jeux X-Men d'un coup, ça peut sembler beaucoup, mais cette saga se prête facilement aux jeux vidéo. En plus, Origins Wolverine déchire vraiment. Vous incarnez Wolverine qui taillade et tranche tout ce qu'il trouve sur son chemin, laissant des traînées de sang partout où il passe. C'est fou ce que ce jeu est gore, sérieusement. Il s'agit de l'une des rares fois où le jeu surpasse le film. L'histoire prend ses racines dans l'adaptation cinématographique et possède un excellent doublage grâce au talent de certaines stars du film, telles que Hugh Jackman. You're alive because of her. Numéro 7, The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Il a fallu un certain temps pour parvenir à reproduire la rage et le chaos de Hulk, et Ultimate Destruction est le premier jeu à recréer les crises de colère du personnage de façon satisfaisante. Le monde ouvert accorde une grande liberté aux joueurs et ne demande qu'à être exploré et détruit. Vous avez également à votre disposition un très grand nombre de techniques qui vous permettront de courir sur les murs, d'escalader des structures imposantes et de faire des bonds énormes lors des combats contre les divers ennemis. De plus, le jeu a été écrit par Paul Jenkins, qui fut l'un des auteurs du comics The Hulk. Numéro 6, Lego Marvel Super Heroes. Lego Marvel Super Heroes emmène la franchise Marvel dans le merveilleux monde des Lego. Fools, this place is mine to rule. Une liste de 150 personnages jouables tirés de l'univers Marvel vous est proposée, chacun possédant ses propres coups et capacités. Le jeu a tout pour plaire aux fans avec son monde ouvert, ses nombreux bâtiments emblématiques de Marvel et sa douzaine d'heures de jeu dans lesquelles pourront s'immerger les joueurs les plus passionnés. Why did it take so long to plan? Approvals, countersignatures, four rounds of notes. You can't believe the bureaucracy I deal with. On peut même débloquer et incarner le personnage de Stan Lee. C'est pas génial, ça? Numéro 5. Captain America and the Avengers, version arcade. Bien que le jeu ait été porté sur console de façon assez grotesque, la meilleure version de Captain America and the Avengers se trouve dans les bornes d'arcade. En fait, le jeu est même considéré comme l'un des meilleurs beat'em up en co-op de tous les temps.
Le jeu contient une dose raisonnable de combat et 4 personnages jouables des Avengers. Captain America, Hawkeye, Vision et Iron Man. Et se savoure avec des copains qui ont de la monnaie à dépenser. Captain America! D'autres personnages apparaîtront également pour aider le joueur si l'on ramasse certains bonus en chemin. Thank you. Numéro 4. Marvel Ultimate Alliance. Prouvant une fois de plus leur savoir-faire en matière de jeux Marvel, Raven Software sort Marvel Ultimate Alliance, avec en tête d'affiche les nombreux héros et antagonistes de la célèbre maison d'édition. Speaking of that, what is our next mission, Colonel? En tant que successeur spirituel des X-Men Legends, on retrouve dans le jeu le même style action RPG qui a fait leur succès, mais avec des graphismes et une présentation largement améliorés, ainsi qu'un lot de personnages hallucinants. But make no mistake. Death for the X-Men is inevitable. Si vous aimez Marvel et les jeux action RPG, ne passez pas à côté de cette perle. Numéro 3, Spider-Man 2. Grâce à son système de fil d'araignée, Spider-Man 2 capture réellement l'essence de Spider-Man et permet aux joueurs de se balancer de bâtiment en bâtiment au lieu de se contenter de lancer des toiles vers les nuages comme dans les jeux précédents. Le gameplay est très exaltant et on s'éclate à visiter leur version de la ville de New York. Assurez-vous simplement de jouer sur console et de ne pas toucher au jeu sur PC, étant donné que la version sur ordinateur a massacré le jeu. But didn't Spider-Man pass his test? Numéro 2, X-Men Arcade. Au moment où la popularité des jeux d'arcade commence à décliner, la borne d'arcade X-Men sort du lot. Bien qu'il existe différentes machines, la meilleure d'entre elles est sans doute la plus grande, qui peut accueillir jusqu'à 6 joueurs en même temps. Jouer à ce jeu avec 5 de ses amis est un plaisir immense grâce à l'excellente jouabilité de ce beat'em up et au graphisme très réussi. Les joueurs ont le choix entre Cyclops, Colossus, Wolverine, Storm, Nightcrawler ou Dazzler, s'ils sont malchanceux, dans leur combat face à Magneto et ses acolytes. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Over and over again, I have watched all of this and so much more. Numéro 1, Marvel vs. Capcom 2. Bien que le troisième opus de la saga de combat populaire soit sorti, Marvel vs. Capcom 2 reste notre préféré, notamment grâce à son énorme liste de personnages. Exposant avec fierté ses protagonistes en 2D et les arrière-plans en 3D éclatants de couleurs, le jeu possède une esthétique incroyable. Mais loin d'être un simple régal pour les yeux, son gameplay est lui aussi à la hauteur. Avec ses combos ultra rapides et sa diversité dans les personnages issus à la fois de l'univers Marvel et des jeux Capcom, Marvel vs. Capcom 2 fait partie des meilleurs jeux de combat et nous le hissons au titre de meilleur jeu Marvel. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quel est votre jeu Marvel préféré? Pour plus de super top 10, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Insane as you think.